What's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, programme split. On va bosser les pecs et les triceps cette fois-ci. On va faire ça bien. Donc, prépare tes haltères, prépare ton eau et on y va. Premier exercice, double contraction. Alors, on avait déjà fait ça pour le pec épaule, mais la petite subtilité aujourd'hui, parce qu'il faut changer, c'est qu'on va faire une rep complète et l'autre rep, on va rapprocher les haltères. Donc ça fait hop, hop, une, ok. On ne va pas faire une demi-rep, une rep complète. On va faire deux reps, hop, hop, ok. Pour faire ça bien, on va se faire 4 fois 10 reps tranquillement. Donc on part dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Hop, hop, une, hop, hop, deux, hop, hop, trois, hop, hop, quatre, hop, hop, cinq, allez, hop, hop, six, hop, hop, sept, allez, hop, hop, huit, hop, hop, neuf, hop, hop, 10. Très bien. Au niveau du temps de repos, 1 minute 30. Et mon petit trait, faut pas que je l'oublie. Voilà. Sinon, j'espère que ça va. J'espère que tout va bien pour toi, que tu fais les choses bien. Moi, ça va très bien. Et aujourd'hui, je sais pas, je vais te parler de quoi aujourd'hui. Je sais pas. Parce que, comme tu le sais, on fait des programmes. On parle de tout de rien. Je vais peut-être te parler de mes projets futurs. En tant que vidéaste. Et d'un peu de tout de rien. Pour ce programme. PEC. Triceps. Tu vois, moi, la vidéo, je kiffe. Je kiffe la vidéo. C'est un milieu où j'ai... Est-ce que je peux dire que j'ai toujours baigné dedans? Je sais pas. Mais je kiffe vraiment la belle image. Retranscrire des émotions, montrer ce que j'ai vu de la meilleure des façons. Je kiffe. C'est un délire. Vraiment. Même là, faire des vidéos et tout, je kiffe. Et ce qui me frustre un peu, on va pas se mentir dans ces vidéos-là, c'est que j'ai pas le pouvoir de faire une vidéo à mon image. Dans le sens où, tu vois, là, c'est le bordel et tout. Je peux pas le retirer. J'ai pas de vrai studio, mais bon, c'est pas grave. On y va pour la deuxième. C'est parti. Allez. Allez, on y va. Hop. Une. Hop. Deux. 1, 3, hop, 4, allez, hop, 5, hop, 6, hop, 7, hop, 8, hop, 9, hop, 10, ok. Et franchement, c'est un milieu qui est bien, c'est un milieu qui est intéressant. Quand tu filmes toi-même, c'est bien, et quand tu filmes les autres, et ben c'est un milieu où financièrement, et ben t'es bien, t'es vraiment bien, et ça t'aide. Moi, la vidéo, je vais pas te mentir, c'est la discipline qui m'a sauvé la vie dans plein de domaines. Dans le monde du taf, c'est ce qui m'a fait nourrir, c'est ce qui m'a fait manger, c'est ce qui m'a fait que je peux aider mon prochain, je peux aider ceux qui sont en difficulté, je peux aider les personnes que j'aime, tu vois, financièrement ou moralement, je peux aider tout le monde, et ça c'est grâce à la vidéo, vraiment. Parce que
Grâce à la vidéo, j'ai pu faire des sommes que jamais en un CDI je peux me faire en un mois. En un jour, j'ai pu gagner des sommes que je pourrais pas faire, que je peux pas faire en un mois, que je dois faire en plusieurs mois, que je dois faire en 5 mois, 6 mois. Tu vois, c'est incroyable. Après, c'est un truc, quand tu rentres dedans, il faut savoir parler, il faut savoir discuter, il faut savoir se vendre, il faut savoir écouter les projets, il faut savoir proposer des choses, avoir une bonne force de proposition. C'est important, sinon tu coules, c'est mort, vraiment. C'est un art, la vidéo c'est un art, pour de vrai. Allez, on y va pour la troisième. Hop, c'est parti. Normal, serré. Une, normal, serré. Deux, allez, normal, serré. Trois, normal, serré. Quatre, normal, serré. Cinq, normal, serré. Six, normal, serré. Sept, normal, serré. Huit, normal, serré. Neuf, normal, serré. Dix. Je fais une petite aparté avec ce programme-là. Après, on va reparler de vidéo. Tu vois, les exercices que je fais, double exercice en un ou des doubles contractions et tout, ça va te forcer à baisser tes charges et à pas faire n'importe quoi, à pas soulever lourd pour rien. Parce que beaucoup de personnes se lèvent lourd pour rien, se font mal, ils se blessent ou ils disent je ressens pas mes pecs et tout. Là, ça va t'aider à bosser avec des charges plus basses, ressentir tes pecs, ressentir tes muscles, avoir une meilleure congestion, avoir une meilleure sensation quand tu travailles et avoir un meilleur résultat visuel. Et j'ai hâte de voir vos physiques quand vous allez m'envoyer après ces programmes-là, après les avoir fait au moins pendant 2-3 mois. J'ai hâte de voir vos physiques grâce à ça. Parce que ça va changer et je vous le garantis si vous êtes sérieux. Revenons à la vidéo. La vidéo, tu vois, j'avais déjà fait une vidéo dessus en parlant. Vivre de la vidéo, c'est pas facile, c'est compliqué. Parce que tu dois toujours trouver des clients, toujours aller chercher, aller faire ci, aller faire ça, ou alors bosser pour une boîte de production. Mais ça, ton salaire, il sera divisé par 4. C'est mieux quand tu es indépendant, tu vois. Mais indépendant, c'est aller chercher les gens et moi, j'ai pas envie. Parce que à mon niveau, à mon stade actuel, je ne vais chercher personne et je suis jamais allé chercher un client. C'est une dinguerie. C'est-à-dire que j'ai toujours fait des sous, j'ai toujours fait des grosses sommes en vidéo sans aller chercher qui que ce soit. Les gens sont venus en voyant mon travail. Ça, c'est fort. Et on y va, c'est la dernière. Allez, c'est parti. Hop, normal, serré. Une, normal, serré. Deux, normal, serré. Trois, normal, serré. Quatre, normal, serré. 5, normal, serré. 6, normal, serré. 7, allez, normal, serré. 8, normal, serré. 9, normal, serré. 10, ok, on est bien. Je mets mon trait tranquillement. Hop, on va prendre 2-3 minutes de repos et on passe à l'exercice pec numéro 2. Deuxième exercice pec, on va se faire du développé couché en prise neutre cette fois-ci. Ok, donc prise neutre, on prend nos haltères. Comme ça, on va se faire 10 répétitions en neutre large et 10 répétitions en neutre serré. Ok, on va se faire mal, donc ça fait 10 et 10. Ok. Hop, c'est parti. On part dans 5, 4, 3, 2, 1. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Serré. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
10. Ok. La prise nœud serrée, elle va faire un mini rappel triceps, tu vois, centre des pecs, mais aussi triceps. Et ça, c'est important. Au niveau de la vidéo, je suis jamais allé chercher les gens. Et ça, c'est sur Paris. Sur Paris, ça va vite. Ça va vite. En termes de clients et tout, ça va vite. Surtout si t'es bon dans ce que tu fais, ça va vite. T'es bon, t'auras du taf. Là, je vais partir à Saint-Étienne, dans un coin paumé, campagne, un village, tu vois. Ça va être dur. Là, je vais devoir aller chercher, sinon je suis mort. En plus de ça, avec mon visage, avec ce teint-là, ça va être encore plus dur. Et je sais de quoi je parle, donc raison de plus d'être bon. Quand t'es bon, tu peux ressembler à n'importe quoi, tu vas trouver du taf. Mais, ma chance, c'est qu'à 1 heure de là où je suis, il y a Lyon. Lyon, grande ville. Grande ville, travail. Travail, argent. Argent, comptant. Comptant, dame sereux. Dame sereux, dame ce qui va rouler avec un Range Rover, tout compris à l'intérieur, et qu'aura sa Play 5. Tu vois? Donc, on va faire ça bien. Soyons sérieux. Comment je vais faire là-bas? Dans le domaine du sport, c'est simple. Je connais un athlète, ami, sponsor chez Eric Favre. Normalement, si tu suis un peu le muscu game, tu vois c'est qui, ou sinon tu mets Eric Favre, tu vas voir. C'est un frère, Renoir, je sais pas, il fait quelle taille. Il est grand, imposant, et lui, ça va être mon point A vers le succès, là-bas. Allez, on y va. Pour la deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Serré. On y va. On fait ça bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Là, tu vois, ce que je vais t'exprimer, c'est mon plan d'action. Parce que j'ai pas peur de te le dire, je sais que tant que je serai en vie, c'est comme ça que je vais procéder et que ça va se passer. Je vais aller à Lyon. Je vais aller à Saint-Étienne. Vivre là-bas. Je vais me déplacer à Lyon. À 1 heure. Je vais aller dans le Eric Favre Gym. J'ai un pote, je vais le checker. Ça va ou quoi? Tranquille, bien. Il va me parler, je dirai, attends. Je vais te faire les meilleures vidéos YouTube du Muscu Game et que t'as jamais vu, que t'as sur ta chaîne. Tu vois les vidéos que t'as sur ta chaîne. Quand tu vas voir ce que je vais te faire, tu vas vouloir les supprimer et les refaire. Parce que moi, ce que je vais te faire, ça va être incroyable. Gratuitement. Ok? Je vais en faire peut-être 5, 6, plusieurs vidéos. Le nombre, on s'en fout. Lui, ça sera mon CV ambulant. Je t'explique. Ce mec-là, sponsor par Eric Favre, Eric Favre, qui a pas mal de sous, un budget infini, va me permettre d'accéder au succès. Clairement, c'est comme ça que ça marche, tu vois. Il faut se servir de quelqu'un d'influent, même si qu'il n'est pas très influent, mais je vais le rendre influent, histoire de montrer son travail. Parce que ce qui marche, c'est ça. Son travail, il faut le montrer à travers quelqu'un. Et moi, je peux que procéder de cette manière-là. On y va, c'est parti pour la troisième. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Serré, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouh. 3. Ok. Les gars, faut pas avoir peur de bosser gratuitement au début. Tu dois montrer ton travail, montrer ce que tu fais. Et une fois que ton travail, il est montré, une fois que, voilà,
tu montres, regardez comment je bosse pour lui. À partir de là, c'est terminé. C'est terminé. Se dire que si mon client voudra des vidéos de la même qualité que je lui apporte, il sera obligé de payer quelqu'un. Et moi, ce qui est bien, c'est que pour payer une personne qui a une qualité similaire à la mienne, c'est soit tu prends un vidéaste professionnel qui va te sous-payer son travail et va te le faire, mais bon, ça, en général, un vidéaste sous-payé, il va pas travailler à 100%, ou soit tu prends un vrai vidéaste, mais là, il va te faire raquer, il va te faire cracher tes poumons au niveau des sous. Et logiquement, bah, tu vas venir vers moi qui va s'adapter, qui va... Moi, je vais me mettre bien tout en mettant bien la personne. Ça sera du donnant-donnant intelligent. Ensuite, dès que cette personne-là aura ses vidéos du futur, ça va partager, ça va arriver aux yeux de son sponsor, Eric Favre, ça va arriver aux yeux d'autres athlètes de la ville. Et moi, c'est là où j'entre en jeu. On va dire, ouais, mais c'est qui fait tes vidéos? On va dire, c'est lui. En fait, on va voir comme All Might. On va dire, c'est lui. Et moi, je serai là dans la lumière. Oui, c'est moi. Et là, je prends tous les clients. Et oui, c'est comme ça que ça marche, les gars. C'est comme ça. Il n'y a pas beaucoup de vidéastes dans la région. Et ben moi, je suis là maintenant. Je m'occupe de tout le monde. C'est comme ça que ça marche. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Serré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on est bien. Je vais montrer. Ok, on prend 2 ou 3 minutes de repos et on passe à l'exercice suivant. Exercice suivant, extension triceps unilatérale plus les deux. Ça veut dire qu'on va se coucher, on va prendre nos haltères. On va les ramener ici, on va se faire 10 répétitions d'un côté, 10 répétitions de l'autre et 10 les deux. D'ailleurs, j'espère que les haltères ne vont pas toucher ça. Si ça touche, je vais me décaler un tout petit peu, mais je vais faire attention. Donc 10, 10, 10. Ok. Tout ça, 4 séries, 10 répétitions avec une 30 de repos. C'est parti, on fait ça bien, on part dans 5, 4, 3, 2. 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on est bien. Hop. Temps de repos. Mais du coup, voilà, c'est comme ça que je vais procéder. Faire du contenu gratuit de qualité. Dans ce contenu gratuit, je vais me dire, écoute, là, ça sera mon CV. Je vais te mettre bien. Dans 5-6 vidéos, je vais prévenir à l'oral, je vais te mettre bien. Après, on discutera du prix. C'est important. Parce que le mec a un sponsor. Et ce qui est bien, c'est qu'il est proche de son sponsor. Ça veut dire que moi, c'est comme si que moi, demain, avec MyProtein, je parle directement au patron de MyProtein. Je parle celui qui a la main au portefeuille. Ok ? Donc, je vais dire, je vais te faire ça. Comme ça, tu vas montrer. Sous forme de tableau, tu auras 6 vidéos pour montrer. C'est pas tu auras une vidéo, tu auras 6 vidéos. Tu as traité tous les sujets possibles et imaginables de ta préparation, de comment tu bosses les bras, de comment tu bosses les jambes. Et tu vas tout dire. Tu vas montrer à ton sponsor comment tu montes les produits et tout dans la vidéo. Parce que voilà, il faut donner un intérêt commercial aussi à la vidéo. C'est important. Pour que son sponsor soit conquis, dise « Ah ouais !» Là, j'ai un athlète, il peut me faire des vraies vidéos, là. Donc, je vais le payer. Et là, je rentre en jeu, dans la lumière, comme ça, en train de danser.
Et je vais dire, oui, c'est moi qui vais faire tes vidéos. C'est ça que je vais faire, les gars. C'est ça que je vais faire, vous allez voir. Et si tu veux une vidéo de moi dans la lumière en train de danser, je vais le faire. Tu vas voir. C'est important. Faut mettre dans les commentaires, on veut te voir dans la lumière en train de danser. Pour que les gens comprennent dans le programme. Allons, on y va, c'est parti. Deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les deux. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Donc mettez bien dans les commentaires, Dams, on veut te voir dans la lumière en train de danser. Par contre, je suis en danse de timide, hein. Je suis en danse, j'ai les bras croisés, je suis à... une petite... je sais pas quelle danse je vais faire. Tout dépend, je crois que je chigne. Si tu vois danser comme un fou, c'est que vraiment le contraire est excellent. Et si tu vois, je suis dans l'ombre et que je danse pas, c'est que ça n'a pas marché. Mais je sais que ça va marcher. Je sais, j'ai confiance en moi, mes capacités. Parce qu'en fait, quand tu fournis un travail que personne peut te donner, ou alors que si tu veux le même travail, là, tu devras casquer des vrais sous, et bah tu te dis, allez, c'est mort, je suis obligé de l'appeler. Je suis obligé de l'appeler. Oui, c'est ce qui va se passer, bien évidemment. Donc, voilà le plan que je vais faire pour la vidéo là-bas. Et je vais essayer aussi, parce que je sais qu'à Saint-Étienne, il y a pas mal de restaurants, il y a pas mal de trucs. Je vais essayer de voir les restaurants et d'essayer de faire une vidéo dans un restaurant, pour un restaurant. Ça va être dur parce que cuisiner pour un restaurant, c'est... Enfin, cuisiner. Filmer pour un restaurant, c'est pas facile. J'ai jamais fait ça, j'aimerais bien essayer, mais c'est pas facile et faut que je me lance. Faut que je porte les trucs que j'ai là en disant, c'est bon. Bonjour, je vais vous faire une vidéo et tout, gratuit encore. Et ça va me permettre de démarcher d'autres restaurants, de leur faire une petite vidéo. C'est dur, mais on va essayer. Allez, c'est parti pour la troisième. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on est bien. D'ailleurs, faire des programmes avec des poids légers comme ça, c'est bien parce que je peux te faire plusieurs vidéos en fait. Là, si je me sens bien, vraiment, il y aura peut-être, c'est pas sûr, peut-être plus de 10 programmes pour le mois d'août. C'est pas sûr. On sait jamais. Ok? On sait jamais. On verra. Tout dépend comment je me sens. Tout dépend si on me chauffe ou pas. Si on me dit, vas-y, dame, c'est bon. Dans tous les cas, à l'heure où cette vidéo sortira, ma décision sera déjà prise, mais tout dépend. Ok, on verra comment je me sens. Mais c'est bien, les charges sont basses, je me fais pas trop mal. Après, je peux aller à la salle. Je peux être bien, même si je vais pas aller à la salle. Après, là, c'est bon, j'enchaînais 1, 2, 3, 4. C'est mon cinquième programme. C'est bon. Mais je suis bien. Ça, c'est important. En tout cas, j'ai hâte d'être sur la région Rhône-Alpes. Parce que quand t'es un vidéaste, quand t'as une couleur de peau qui t'avantage pas, il faut se donner à fond.
avec le talent. Et je dis ça, mais... En fait, tu vois, j'ai pas ça, moi je me plains, je dis ça en connaissance de cause. Je sais ce que c'est quand t'es différent et que tu vas ailleurs. Je sais ce que c'est. Ok? Faut bosser plus. Et c'est normal. C'est comme ça. Je suis habitué. Mais je m'en plains pas. Je prends ça comme un beau défi à accepter et à gagner. Allez, c'est la dernière. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. L'autre côté. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Les deux. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Ok. Oh, très bien. Quatrième trait. On est bon. On prend 2 ou 3 minutes de repos. Tout dépend de ta forme. Et on passe au dernier exercice. Dernier exercice. On va se faire du French curl. Je sais pas comment. Je sais pas pourquoi l'appeler comme ça, French curl. C'est qui le français qui a menti là-bas, là? Bref, French curl. Alors. Comme ça, on l'a déjà fait. On va faire 20 répétitions. Ok? 20 répétitions, 4 fois, tranquillement, avec 1 minute de temps de repos, histoire d'avoir une bonne congestion et une bonne contraction au niveau du triceps. C'est parti, on part dans 5, 4, 3, 2, 1, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. On en fait 4. Mais ouais, du coup, je sais pas si ma partie business en vidéo ça intéresse du monde, mais si vraiment ça intéresse, eh ben je ferai un petit journal de bord où j'en parlerai en vidéo ou sous forme de vlog, je verrai. Parce qu'en fait, j'ai vraiment envie de démocratiser les vlogs sur ma chaîne, mais le problème c'est que voilà, ça marche moins que les programmes là. Vous voulez pas voir des vlogs, vous voulez voir des programmes au garage ou dans la chambre, même si que le garage vous aimez bien. C'est ça votre problème, vous. C'est ça. C'est les programmes gratuits. La vie de dame, c'est les vlogs. Non, là, vous voulez pas voir. Oui, certains veulent voir, mais pas tous. Il faut les voir, les gars, c'est important. Ça m'aide à me développer sur la chaîne et ne pas mettre que de la monotonie, je sais pas si on le dit, dans les programmes. Ok? Bon, c'est parti, on y va pour la deuxième. Parce qu'on a pris 1 minute, on n'est pas là pour dormir. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, on est bien. On est bien 2. Moi, en vrai de vrai, je peux comprendre. Si toi, ce que tu veux voir, c'est des programmes et rien d'autre, bah t'es maître de ton destin. Je sais qu'il y en a qui aiment les vlogs et je veux faire des vlogs pour eux. Montrer comment je m'entraîne hors programme maison. Montrer mon état d'esprit, peut-être parler un peu. Je vais montrer tout ça et on verra comment ça va se passer. On verra. Parce que j'ai vraiment envie d'apporter, si tu veux, une dernière vision que j'ai de Paris. Parce que là, j'ai quitté Paris. Je ne sais pas si je reviendrai pour filmer ou je réhabiterai à Paris. Et j'aimerais marquer un peu le coup, si tu veux, en faisant des petits vlogs dans les salles d'ici, les on air, les vraies salles. Donc, on verra. On fera ça. Les last
les last training Paris. Ok, allez, on y va, c'est la troisième, 20 reps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. J'ai fait 30 reps, les gars. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais la dernière, on va faire 30 reps aussi. Parce que c'est comme ça. J'en ai décidé ainsi. Là, je suis parti loin dans mes pensées. Donc, j'ai continué. Mais là aussi, on fait 30 reps. C'est la dernière. On fait ça bien. On veut des gros triceps, les gars. Mais ouais, je vais voir. Des petits formats vlog day, training day. On verra. On va partager plein de choses. Plein de choses. On va voir ça. Ouh. En tout cas, j'espère que toi, tu kiffes ce programme, tu kiffes ces séances, tu kiffes être avec moi. Même si je parle beaucoup, je suis obligé de parler parce que j'ai fait des promesses de la musique et tout, mais c'est pas ce que j'aime faire. Ce que j'aime faire, c'est partager, échanger avec toi. Le fait de faire une séance, parler un peu, ben, je trouve ça plus agréable que de mettre une musique dans le fond et avec des bips et tout. J'ai essayé, c'est bien, mais je préfère te parler. Après, peut-être que par la suite, je ferai des vidéos sans musique, tu vois, je continuerai. Mais je préfère te parler, honnêtement. Allez, c'est la dernière. On y va, on balance 30 reps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ça fait mal. Mais c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. On a validé 1, 2, 3, 4, 5. Aujourd'hui, j'ai fait 5 programmes. Normalement, j'ai un programme jambes, mais mon genou m'empêche de faire ces exercices. Malheureusement. De toute façon, j'en reparlerai dans la première vidéo qui sera devant tous ces programmes-là. Je t'invite à aller voir aussi, parce que je vais donner quelques conseils, quelques tips pour bien commencer ces programmes, bien s'y mettre dans le bain. Et puis voilà. En tout cas, merci beaucoup de suivre ces programmes, de me donner la force, de commenter si tu le fais. N'hésite pas à partager à tes amis, à ceux qui veulent faire des entraînements accompagnés, c'est important. En tout cas, je vais te laisser ici. Mets un j'aime, commente, c'est important. Abonne-toi, c'est pas fait. T'as le code DAME sur MyProtein, le lien en bio. Tout est en bio. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour d'autres programmes, parce que c'est important.